سي حمزة. فهمتي الدور تاع اليوم انت تشوف ان الغوش تخوض غير ما فيه شي مشكل. بقى حاضر صافي استاذ تسنيت. ياك الامور عندك كلشي مزيان كلشي كلير؟ لا راك عارف استاذ المشكل شي حاجه اخرى. يلا بسم الله نتبارك الله. بيان سور الشباب البارح موديل توجور تاع كوميونيكاسيون ايفونت مابقاش هنا بزاف تقريبا بقات لنا واحد دو سيونس ان شاء الله دو تال تخوا سيونس باغدون باش انا غادي نساليو باذن الله. الوغ اياك قلنا في اون بارتي سيت بارتي كي باغل سور وي أستاذ قبل ما تبدا في بارتي جديدة اشرح لي الفرق بين فواياج اورغانيزي بين فواياج اورغانيزي ما ما الكومبيني تقريبا دابا وقت نشرح فواياج اورغانيزي ونشرح الكومبيني ونشرح حتى لو فورفي بيان سور اوكي الوغ pour la réponse de mademoiselle qui demande la... le voyage du groupe ou là le forfait touristique. Donc voyage du groupe ou là voyage organisé. La différence entre voyage organisé et un forfait. Donc comme j'ai dit hier et comme je dis toujours, le forfait ouais, c'est un produit touristique. C'est un produit touristique qui se compose, qui se compose de quoi ? De billets aller-retour, ou le transport en général, le transport en général, soit l'avion, soit le train, soit le bateau, soit n'importe quel type de transport, donc le transport, ok ? Deuxième service, c'est l'hébergement, la restauration et l'animation. D'accord ? هذوما نقدروا نقولوا لي سيرفيس اللي كيكونوا عندنا تقريبا دو باز سينو كنلقاو لي بيرجومون انكلو لا ريستوراسيون مع لو ترونسبور الوغ لو فورفي تيكون عندنا شاك جور باغ اكزومبل عندنا ان فورفي داكور البري نتاعو 5000 درهم ا مراكش اون سيمين ا مراكش 5000 درهم Mademoiselle Zine, aujourd'hui, Anna, j'ai acheté avec le forfait. Demain, toi, tu vas acheter le forfait. Ou le forfait, tu arrives de quand ? Depuis le vendredi. Anna, le forfait, tu arrives aujourd'hui, le jeudi. Adi, je suis pour Hamza, ou la Meuza, ou la Fatima, ou la Zine, ou la Mana, ou la Zine, le samedi, le dimanche. Et chacun de vous, il va passer une semaine. Ça veut dire quoi ? Maintenant, peut-être le début. De la fin ديال هاد لوفر هذا اللي هو لو فورفي نو لو فورفي كيكون على 365 يوم توت لاني توت لاني و تي بو فينير نامبورت كاين جور داكو لا ديفيرونس شنو هي عندنا البري تيطلع كاين سي با ان بروبليم افيك نوت سيزون با سيزون سا لو فورفي دونك لو فورفي هو ان لونسور نتاع دي سيرفيس داكو بيان سور فوندو بار ان بريستاتير دون ايل اي با ponctuel, il est régulier. Il est régulier. Je n'ai régulier. De 365 jours. C'est un jour durant toute l'année. D'accord ? Ça, c'est le forfait. Maintenant, le voyage organisé, le voyage de groupe. Le voyage organisé de groupe, c'est la même chose. C'est comme le forfait. C'est comme le forfait. Ça veut dire, tu vois, adna prestation l'aide, adna transport, zaid plus l'hébergement, la restauration et l'animation. D'accord ? Plus autre service, c'est pas un problème. Mais on parle d'un service de base. D'accord ? Alors, c'est quoi la différence entre un forfait et un voyage organisé ou un voyage de groupe ? C'est que le forfait, je reviens avec le forfait, dans le forfait d'avec, le forfait, comme j'ai dit, il est régulier. Toute l'année. Tu peux l'acheter toute l'année, sans problème. Par contre, le voyage organisé ou de groupe, a une durée de
Par exemple, nous, en tant qu'agence de voyage, je vais faire l'annonce d'un voyage organisé. Donc, voyage organisé pour la Turquie, pour l'Espagne, pour n'importe quel pays, d'accord? Donc, pendant l'hôtel, il y a 4 étoiles, avec la restauration, il y a 7 jours. Avec vide aller-retour. Et il y a. Ça fait. Voilà, il y a un peu de temps. Ça fait quand même les informations qui sont pour le forfait. C'est la même chose. Mais la différence, nous, nos départs, nos départs, les départs, les possibilités de démarrer, c'est comme le N3, le 15-3, le N4, le 15-4, le N5, le 15-5. Maintenant, ça veut dire quoi? Donc, un le mois, je vais organiser deux voyages. Dans le mois, je vais organiser deux voyages. J'ai un groupe de 40 personnes. 40 personnes, s'ils veulent voyager avec moi, soit ils vont venir le 1, le mois X, ou le 15, le mois X. Ah non, je peux voyager le 16. Non. Ma quiche le voyage. Quand j'ai dit le bac, donc je me suis dit, c'est tel le 1. Ah non, j'ai dit le 20. Ah non, j'ai dit le 10. Non, tu vas attendre. Par contre, le forfait, il fait sur place. Tu viens, tu payes, tu démarres. Parce que le forfait qui est 365 jours. Le meilleur sur Stinio, bien sûr, il est toujours. Vous me direz, non, mais j'ai le meilleur sur Stinio. Non, vous savez, je suis à Malia Hassabia. Dans le voyage organisé, j'organise deux voyages. Le mois, Mathialen, comme j'ai dit, l'exemple, deux voyages. Au fond, le voyage, j'ai 40 personnes. Je suis un voyage de 40, زائد 40, il y a 80 voyages. 80 voyageurs. 80 clients. D'accord. Par contre, on dit un forfait, on dit 365 jours. On dit un voyage. 365 jours? Non, 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 non. C'est le contraire. Alors, imagine, on dit la capacité d'accueil 1000 personnes par jour. 1000 personnes par jour que je peux prendre. L'équipe peut voyager avec moi. Donc 1000 personnes par jour, nous devons avoir 1350 jours. Ça veut dire qu'il y a la possibilité que les clients vont voyager plus. On fait voyage de groupe, le voyage organisé. Maintenant, le voyage, ou le combiné, les combinés. Mademoiselle, Simbra m'a déjà calculé le combiné, d'accord? C'est quoi les combinés? Combiné, c'est, je m'en souviens très très bien, je l'ai expliqué par la combinaison d'IMS, les qui vont faire la plongée, les qui sont par combinaison, d'accord, ce qu'avait dit, comme on le disait, de l'Harifia. Donc, c'est quoi le combiné? Combiné entre deux choses, entre le séjour et le circuit. Le séjour et le circuit. Le client, il va venir pour passer deux types de services. Il va consommer deux types de services. Le premier service, c'est le séjour. Et le deuxième, c'est le circuit. J'ai donné des exemples. J'ai le client. Maintenant, le client il va venir ici au Maroc. Il va passer 15 jours. Il va passer une semaine dans un hôtel. Et la deuxième semaine, il va passer dans un circuit. Colonar ou dans une ville. On a dit le contraire. Dès qu'il va venir, il va passer le circuit. Il sera le circuit. Ça, quand il va finir, il va aller à l'hôtel, passer une semaine. Ou là, il va faire troisième choix. C'est quoi troisième choix? Il va venir, il va passer 4 jours à l'hôtel, et après une semaine de circuit, et après, il va se reposer 3 jours à l'hôtel, au Raja Khalato. Ça s'appelle le combiné. Ça veut dire quoi? Le séjour dans l'hôtel, mais le circuit, mais l'excursion, une semaine dans l'hôtel, séjour direct. Directement, la piscine, la ville, il va faire le shopping, ça va, la restauration, mais l'hôtel, la ville. Et une autre partie, c'est quoi? Qu'il va passer des circuits dans 2, 3, 4, 5 villes, c'est pas le problème, bien sûr. Donc, au lieu que je vais expliquer les deux choses, maintenant j'ai expliqué, j'ai ajouté avec le forfait. C'est compris, mademoiselle? Oui. Ok, donc on va continuer, Inch'Allah? Oui. Ok, alors. C'est ce qu'on a expliqué hier. Un petit rappel. On a parlé à la différentes prestations, les manquées. On va donner des informations à les clients.
Et parmi les informations, c'est les séjours, les circuits, le voyage de groupe, le combiné, bien sûr, les produits à la carte, les gonas, ce sont des produits sur mesure. Et après, on a dit qu'ils sont que, comment conseiller et préconiser le client. Et quelle est la différence entre conseiller et préconiser? Et quand on dit conseiller, ça veut dire quoi? On a des conseillers, c'est égal informer le client. Plus trouver des solutions pour les clients, c'est anticiper, prévision, que tu auras la réaction du client. Bien sûr, c'est éduquer le client, c'est le client qui travaille sur des choses très importantes que ça va lui aider dans son voyage, qu'il va passer un bon voyage. Ça, c'est conseiller. Préconiser, bien sûr, préconiser, c'est proposer, prescrire, recommander, suggérer, d'accord? Donc, alors, il va acheter quelque chose. Donc, c'est ça ce qu'on a dit hier. Donc, c'était un petit rappel. Alors, maintenant, on va passer à un autre chapitre, un nouveau chapitre. C'est communiquer en argumentant. Communiquer en argumentant. Et déjà, comme j'ai dit hier, c'est l'appellation du module. Il y a quoi? C'est la communication et de vente. La communication et vente. Et bien sûr, comme j'ai dit hier, communiquer, c'est pas juste parler, mais non, là c'est communiquer. Communiquer, c'est écouter tout d'abord, c'est se concentrer tout d'abord, c'est analyser tout d'abord, c'est avoir des savoirs tout d'abord, c'est se comporter tout d'abord, c'est utiliser la communication verbale et non verbale, c'est maîtriser l'art de parler, c'est maîtriser les techniques de vente, c'est maîtriser l'art de l'argumentation, c'est comment ça va, comment persuader, c'est comment ça va, c'est comment savoir manipuler, c'est toute une longue liste des savoirs et des savoir-être et des compétences. Donc, c'est communiquer, c'est un notion, moi, je veux le communiquer, c'est juste un canada, ou je sais parler une langue, ou là, non, ça, c'est pas ça, c'est juste parler. Là, on dit la communication, c'est un champ qui est très large. D'accord, il suffit qu'il m'a tu peux être un coach. Un coach, que tu vas faire le coaching. Et le coaching, alors, il se base sur la psychologie, il se base sur la personnalité, il se base sur l'analyse transactionnelle. Il se base à une grande partie qu'on a fait l'année dernière, le module de la gestion relation clientèle, les cas d'analyse, l'état interne, l'état de moi, l'enclonage, la synchronisation. Tu as des éléments, les techniques qu'on a déjà interpellés. Une fois que j'ai le client devant toi, tu vas commencer à le manipuler avec tes mains. Parce que tu sais des choses sur lui. Et tu as des choses à lui. Avant que. Pourquoi? Parce que tu connais des clients comme lui. Déjà, tu as un tableau dans ta tête. T'as un tableau de marin les qui goûtent bon, une fois que vous faites le client, que tu as le type de personnalité, que tu as le type de comportement, que tu as la catégorie sociale, tu peux même avoir une idée sur le salaire, le budget, et bien c'est bon. Ou les types que tu as fait le client, il a 15% le client, 20%, c'est trop, c'est beaucoup, mashallah. زدتي ودورتي ولعبتي فيه بيت كل عرفتي عليه 80% 70% انت عرفتي عليه من خلال الاناليز اللي درتي ليه انت سي بون كل مين يبغى اشتي ان شاء الله. دونك الو سا سي بريزونطاسيون على هذا الشابتر اللي سا بدي سا سكون باذن الله. الو بريباري لارجيمونتير برودوي ديستيناسيون مادموزيل مسيو مادموزيل مسيو هذه لابارتي ديجا قلنا ايفوكي في المودول تاع الاكسيون كوميرسيال. D'accord? C'est préparer l'argumentaire de vente. L'argumentaire de vente, d'accord? Faire un trame sous forme de trame. Et l'argumentaire de vente, la finance où le mademoiselle Zineb, bien sûr, il y a l'argumentaire, c'est un scénario. De vente. C'est un scénario dans lequel tu imagines la situation du client. حرا يجي الكليون يبغى دوموندي تقول لي انت السلام ويقول لك السلام تقول لي انت مرحبا يقول لك وشكرا تقول لي شنو حق الخاطر يقول لك بغيت هادي تقول لي تفضل معايا من هنايا غتعطيني هادي تقول لي هادي دونك داك الشيء انت داك لونتروتيان دو فونت اللي كنت فيغ افيك لو كليون كنت فيغ في الفيتور
D'accord? Tu dois le préparer en avance, bien sûr avec les argumentaires, bien sûr avec les techniques de l'argumentation, bien sûr avec les caractéristiques, les produits, ce type de caractéristiques, caractéristiques liées à techniques, caractéristiques liées à productifs. Les caractéristiques, je pense à la méthode de Aïda. La méthode de Aïda, on l'a plutôt Aïda, A-I-D-A, d'accord? Les chemins plusieurs fois. Mais bon, préparer l'argumentaire produit, destination, rappel des étapes. Alors, les étapes, l'EDNA, bien sûr, qui est l'EDNA, six étapes qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'EDNA, pour faire de l'argumentaire produit, l'EDNA, six étapes. La première des choses, c'est quoi? La première étape, c'est lister les caractéristiques techniques du produit ou le service. Donc, ça, pourquoi tu veux faire l'argumentaire? Bien sûr, dans l'argumentaire, donc, tu vas faire les points forts, mais pas les points. Tu vas faire les caractéristiques, les mobilisations, tu vas mettre les avantages, les points forts, ou les points, tu as le produit. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va les voir. Mais chaque caractéristique, ou là, chaque avantage, ou là, chaque chose, chaque élément, ouais, voilà une étape. Donc, la étape, c'est quelque chose qu'on va chercher. Maintenant, dans la première étape, lister les caractéristiques techniques du produit. Lister les caractéristiques techniques, dire le produit ou dire le service. D'accord? C'est le travail le plus simple. Maintenant, lister toutes les fonctions du produit, les caractéristiques, le contenu, il faut alors exploiter la méthode des fiches de produit. D'accord? Un exemple. Les caractéristiques techniques. D'accord? On va prendre, par exemple, un produit, les Wakua, ou le PC. J'ai un PC devant moi. Les caractéristiques techniques, je me dis, ce PC-là, elle est court d'audio. Oh là, je vais te dire, c'est i5, i7, d'accord? Qui m'a connu comme le Pentium 4, Pentium X, ou la matériel Xeon, la vitesse, d'accord? Je vais te dire, le disque dur, c'est 1 teraoctet, ça veut dire 1000 gigas. Je vais te dire, la RAM, qui a 8 gigas, la vitesse. J'ai dit le système d'exploitation, on dit 64 ou 80, d'accord, mégahertz. On dit Windows 16. J'ai le produit, d'accord. Il est très rapide, je vais le produit. Le PC, la vitesse, elle est très rapide, voilà. Donc même tu peux faire, c'est comme un PC gamer, tu peux même mettre des PlayStation ou là, des jeux télévisés ou là, des jeux voilà, sur PC avec Malita, avec le tout, d'accord. Mais maintenant, alors maintenant je suis en train de vous donner les caractéristiques techniques. Vous mettez les techniques dès le PC. Un exemple, vous avez un portable. Bon, voilà, le portable. Donc, parmi les caractéristiques techniques, j'ai le portable et il a deux caméras. D'accord, caméra devant, caméra derrière. Caméra devant, c'est caméra selfie, 3 mégapixels. Derrière, il y a le principal fait deux chutes, la tête. Deux, trois caméras, d'accord, avec la capacité de 20 mégapixels. Vous pouvez capturer des photos dans la nuit avec la brillance là, très élevée. Je ne sais pas quand vous pouvez faire vous pouvez même enregistrer des vidéos en courant, c'est-à-dire enregistrer une vidéo à Mitchell, d'accord, avec Android, communication, WhatsApp, des sites. Donc c'est quoi ça? C'est un exemple des caractéristiques léomatechniques, je pense. J'ai clair. Ok, donc il faut alors exploiter la méthode des fiches de produits. Donc, avec les informations, parce qu'il y a un exemple, je vais les fiches de produits. Les fiches de produits, finalement, ça va être la fiche de produits, maintenant, je vais dire qu'un PC, qu'il y a le catalogue du PC. Ou là, le PC, je vais dire, maintenant, le margin, ou là, en grande surface, ou là, électroménagère, ou là, le magasin, une surface, le magasin, les yams, d'accord. Je vais vous dire qu'il y a une fiche de produits.
كتلقى لو بي سي وكتلقى في ليكرون شنو مكتوب عندك تما كاين في ليكرون محدد ليك فوالا الديسك دور حتى وقعت هادي كومونسي كومون سا مارش هادي ليستر ديال كونكي عطاك دي زانفورماسيون داك الفيش دو دو برودوي دونك اتونسيون ا بيان كومبروندر اون كونت لي كاركتيريستيك بون لي بلو نومبر سون سو كي بونس كو لو كليون كونيس لو برودوي بيان سور عندك راه انك غادي تجي كمثال دابا راه جي با دوني ما قلتلكمش حاجه عندها علاقه مع الفواياج ولا جي دي مثلا ان كليون اي با اشتر غيمشي لواحد البلاصه غيلقى واحد التليفون ولا واحد البي سي فا دو غرو سيرفونس وغادي يشوف تما لي زانفورماسيون وغاتعتبر انت بان هذاك الكليون راه ان كليون كونيسور اي فو سافي بيان سا بدي كوا ان كليون كونيسور ان كليون كونيسور سي كي سي لوي كي كوني دي زانفورماسيون sur un sujet donné. Par exemple, tu es un agent de Flaca et quelqu'un te dit que tu es un agent de et je vais moi aussi, je vais acheter un service et moi je suis un agent de voyage ou là, je suis un professionnel de tourisme. Et il faut aller chez NR, tu vas essayer de faire avec moi une technique X ou la Y, moi, n'oubliez pas, peut-être moi je suis un client qui a plus d'expérience que toi. Il n'y a pas forcément un client qui gère ma kiffemch ou un client qui gère ma kiffemch. Non, quand il y a un client, c'est pour ça qu'il faut qu'on va lui donner le temps suffisant. On va lui expliquer comment si, comment ça, comment ça marche, quels sont les droits, quelles sont les obligations. Tiens, oh, voilà les avantages, voilà les inconvénients. On va lui donner le temps, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Il a juste commencé à connaître. On dit encore d'aller quand tu vas donner tes conseils. Et tu vas préconiser, et c'est l'objectif de ce module-là, d'accord? Mais un client qui est connaisseur, un client qui sait, un client qui a déjà des informations, soit parce que c'est un client qui voyage trop, il voyage assez souvent, quoi, comment ça marche? D'accord. Ah oui, là, comme j'ai dit, j'ai oublié. J'ai dit, c'est un client qui connaît déjà, qui a une expérience de voyage et voyage assez souvent, d'accord? Sinon, ouais, c'est un vrai professionnel de tourisme. C'est un agent de voyage, ou c'est un réceptionniste. Donc, il y a des clients qui connaissent ça, d'accord? Donc, s'il vous plaît, mon petit peu, je sais qu'il y a un problème, tu as un stagiaire qui est venu dans le mail, je sais pas si il y a un problème. Je vais le voir quelques minutes, je vais venir. Ah, j'ai dit,
Thank you.
لا حق بيخ مكيل ده حمزة أقول أنا أشكرك على الاستضافة الأخ الكريم فاتوس يا أخويا مرحبا لعبتك أخويا شباب شوي تصلي مني كان استاجر مسكين وقع لي مشكل ديال الكونت داكاغ باغي يقرا مي ديال هنا مي بون اون كونتيني شباب نعم لا بغا الكونت ديالي يعطيلو ماشي مشكل يا سلام حتى هذه كلها كاع تضحيه مسكين تعاونوا مع خصنا نتعاونوا والو سبغا يقرا مسكين نتعاونوا مع ضيعت هذا بخير الحمد لله يجينا كاع كيجي جمل سام وجود الخير الحمد لله وجود الخير البداية منورة بصحتك اسيدي بصحتك يلا نتوكل الله تعالى نكملوا شويه ديال الزوري على هذا الديرونجمون الوغ قلنا لي دوزيام ايتاب سي ليستي لي كاركتيرستيك دو ديستيناسيون ليستي لي كاركتيرستيك دو ديستيناسيون ان برودوي توريستيك اي ليي ا اون او بلوزيور ديستيناسيون اون فون اوسي اون ديستيناسيون سي زاتو سي كونترانت il faut ainsi préparer un listing des caractéristiques des destinations concernées l'utilité des connaissances géographiques ainsi de suite Donc, la partie, mademoiselle, monsieur, on l'a vu hier et avant-hier. On a parlé de la chose, les différentes informations qu'on va donner à le client. On va lui mettre la parole à le client. Quel type d'informations exactement qu'on va lui donner les types d'informations qui sont pratiques. معلومات اللي ممكن الانسان انه يستفد منها ويستعملها durant son voyage. مثلا, d'accord, les informations à ordre géographique, géographie, les plans. Les plans de matadaris, le climatique, monar, quoi de social, chimay, mais les informations, toute information liée à la part de la destination. Mais les caractéristiques, bien sûr, on voit les atouts. On voit les atouts. Et ça veut dire quoi les atouts? Les atouts, on voit les avantages, on voit les caractéristiques. Ou même chose qui est positif, d'accord? Qui est positif à cela. Donc on va donner on va informer les clients sur les atouts à la destination. Donc c'est les caractéristiques de destination. Troisième étape, c'est quoi? C'est lister les avantages bénéfices clients. Lister les avantages bénéfices clients. Et c'est quoi avantage? Et c'est quoi bénéfice? Oh, ici on va voir, ah, ils sont la même chose. Bénéfice, c'est un avantage. Un avantage, c'est un bénéfice. Mais, elle est du type de bénéfice. On va l'expliquer la différence, bien sûr. Mais, elles sont les mêmes. D'accord? Alors, les bénéfices directs.
et les bénéfices indirects. Donc, les bénéfices se divisent en deux types. Donc, ce sont deux types de bénéfices. Donc, la première des choses, c'est les bénéfices directs et les bénéfices indirects. Donc, les bénéfices directs, ils sont directement liés à l'utilisation du produit ou service. Okay. Les bénéfices indirects, ils ne sont pas clairement énoncés suite aux caractéristiques techniques, mais on découle. Mais on découle. D'accord ? Par exemple, avec les bénéfices directs. Les bénéfices liés directs. Alors, ouais. un jour, on a acheté ce PC-là. On va parler de PC. J'ai acheté ce PC-là. Ou la doit acheter un PC, ou la doit acheter un portable, peu importe. Imagine, le bénéfice direct, ou j'utilise le PC, j'écris des textes, je me connecte, je lis des informations, je fais des recherches. Tiens, le portable, tu as le PC, c'est la même chose que moi, mais le portable, tu as acheté le portable pour que tu vas se connecter, pour que tu vas parler, pour que tu vas être toujours, pour que tu vas être toujours en contact avec les gens de différents types d'informations et tout. Marhaba. Jusqu'au maintenant, on n'a pas de problème. Mais, à ramener les infos, c'est ce que je vais dire, ce sont des bénéfices directs. Des bénéfices qui sont indirects. Oui. Donc, les bénéfices indirects, chaque de bio, il y a un cadre de bakimabouna, d'accord ? J'ai le téléphone. Déjà, tu vas parler au téléphone, tu vas communiquer au téléphone, et de là, je vais le téléphone. Moi aussi, j'ai acheté le PC pour faire avec le travail, faire des recherches, imprimer, écrire et tout. Mais est-ce que vous avez jamais pensé un jour que vous allez utiliser soit vos PC ou vos portables pour faire la formation à distance? Jamais. Moi non plus, ça c'est sûr. Je vais utiliser mon PC. Je vais préparer les modules, je vais faire mon travail, je vais me connecter avec ma foi. Oui. Excusez-moi s'il vous plaît, tenez un monsieur parmi les messieurs qui a un petit problème.
السلام عليكم، شو ديزولي. الوغ الشباب اون فو كونتيني. جي دي لي زافون لي بينيفيس ديريكت. لي بينيفيس ديريكت اي سون كوا با اكزومبل كون انا بارل لا تيليفون ولا لا بي سي، انت كتشري من التيليفون ولا البي سي دونك تو دو فير ان ترافاي اكزاكت داكور. مي quand tu vas utiliser par exemple ce PC là ou ce téléphone là pour faire la formation liée à distance, jamais t'as pensé. Mais c'est un avantage ou c'est un bénéfice lié ou indirect. Ça veut dire quoi? Qui découle de l'utilisation de le PC ou le portable. Je veux qui découle. Les étranges millionnaires. D'accord. Les اللي هي كنتيجه الاستعمال توفر تاع على البي سي مثلا التليفون داكور. هذاك ان اكزومبل بوك اون اكسبليكي لا ديفيرونس انتر لي هو بينيفيس ديريكت اي بينيفيس لي انديريكت. الوغ il faut noter que souvent les bénéfices indirects ne sont généralement pas évoqués spontanément par les prospects car ils ont une influence moins forte. Néanmoins, ils servent très souvent à faire basculer un client qui n'est pas totalement vers son choix, bien sûr. Par exemple, maintenant, c'est ce que je vais expliquer toujours. Je vais donner un autre exemple. Bien sûr, au niveau du tourisme. On va vendre la ville de Marrakech. La ville de Marrakech est une ville touristique. Et se base sur le tourisme culturel, le tourisme des monuments, shopping, la ville, le tourisme qui est urbain, d'accord. Mais imagine avec moi un jour, un client, et tu vas lui dire, bon, regarde la ville de Marrakech, c'est les avantages, les bénéfices, où tu vas voyager, c'est que tu vas aller à Jemaa el Fna, c'est que tu vas voir les souks, c'est que tu vas aller visiter des monuments, tu vas vivre la vie marocaine traditionnelle des Marrakechis, oh, ce sont des bénéfices directs, mashallah, ok. Mais indirect, à te dire, eh ben, le client il a hésité, on rêve, il a mis maintenant les chiens d'une heure d'offre, la mer, la plage, d'accord. Mais tu vas le dire, bien, un cas exemple. Et bien sûr, à Marrakech, dans l'hôtel, la piscine, vous allez avoir une teinte bronzage. Tu vas être bronzé, tu vas être ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client il veut aller, par exemple, à Agadir. Maintenant, tu peux lui vendre à Marrakech. Les avantages directs, et ce qu'il va voir la ville, d'accord? Et indirect, c'est que normalement, les gens ils se bronzent où? Ils se bronzent dans la mer, dans les villes, là où il y a le tourisme balinière, là où il y a la mer, la plage. Mais quand tu vas ajouter avec le service, bien, le bronzage, ou l'avantage, le bronzage, qu'il va profiter avec le client. Pourquoi dire un petit avantage, ou un bénéfice, les clients qui hésitent. Client hésite. Ça veut dire quoi hésite? Un client qui hésite, il n'est pas encore sûr. Il bascule. Parce qu'il y a la même chose. Il ne sait pas encore. Je vais dire, monsieur, la même chose. Mais si tu veux ajouter un avantage ou des bénéfices indirects, de plus, le client il va avoir l'envie. Donc, pour lister tous les bénéfices clients, il ne faut pas hésiter à penser aux problèmes rencontrés par les clients et les prospects, car ce n'est pas la réponse à un problème qu'il fait avant. Si le produit répond au problème client, etc. Donc, pour lister les bénéfices, donc bénéfices, toujours. Bénéfices, c'est un avantage. Alors, pas forcément, mais si vous avez un avantage, ça veut dire quoi? Mais si vous avez un avantage, il faut qu'il y ait un problème. Donc, avantage d'un problème. Non, pas forcément un problème, non. D'accord. Mais assez souvent, un avantage, un bénéfice, c'est quelque chose qu'on gagne au détriment d'un problème. Il y a dit quoi, d'un problème? Donc, bon, voilà, là, tu vas acheter ce produit ou là, ce service, d'accord. C'est pour satisfaire ce besoin de ce problème. Automatiquement, c'est un avantage, ok. Mais je suis dans le cas de la un problème, ok. Mais parfois, on a quand même des récompenses là, du client.
récompense et au motifis jaiza un prix d'accord ce prix là le wa jaiza il va te concevoir un bénéfice avec un avantage هو لافونتاج لي بينيفيس راه عباره عن نوع وعباره بري جائزه يعني شي كوز كي با غاني لو كليون بيان سور كاتريام ايتاب لي هي فير فيفر لارغيمونتير فير فيفر لارغيمونتير فير فيفر لارغيمونتير دونك سا في دير كوا Pour rendre plus efficace l'argumentaire, il faut le rendre vivant et concret. Vivre, faire vivre l'argumentaire, ça veut dire quoi ? Faire vivre, c'est donner la vie à quelque chose. C'est donner la vie à quelque chose. Quand tu as la vie, tu as la vie. Ou bien sûr, mais tu as la vie, 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 tu as la vie. Mais faire vivre quelque chose, ça veut dire quoi ? C'est créer un peu d'ambiance, c'est créer un peu d'animation. C'est rendre dès le moment de l'achat et voir le moment les ouïnes qui les sentiments les expressions les émotions qui sont positives le client il va être content qu'il l'a acheté et toi tu vas être content parce que t'as vendu mais si l'entretien de vente ou le moment de l'achat et de la négociation ما خاصش الكليون يعتبر بان توا توي مون انومي انا تنبيع انت عدو انت كتبيع لي انا عدو نو نو كونتخير الفو كو تو موند سوا كليون سوا فوندور الفو كو داك لو مومون داشا او دو فوند يبقى لا كونسيديري كوم سي كيك شوز كي بو سي جولي سي بيان سي 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 ان بون مومون واحد اللحظه اللي هي مزيانه بوركوا باسكو سي فير فيف باسكو سا سي لو C'est la façon de vivre, c'est la façon pour vendre, c'est la façon de faire vivre avec la vente. Donc pour rendre plus efficace l'argumentaire, il faut la rendre vivante et concrète. Lister les phrases de l'achat et les objections. D'accord ? Tu vas laisser, tu vas être l'argumentaire de vente, l'argumentaire que tu vas faire pour que tu vas convaincre avec le client, il faut que ça va être vivant et concret. Vivante et concrète. Ça veut dire quoi vivante ? Une hayawiya concrète, il existe en waqaiya. D'accord ? Donc, lister les phrases de l'achat et les objections. Même si les arguments sont préparés, le client aura toujours des contre-arguments. Même si le client aura toujours des contre-arguments. D'accord ? Le vendeur doit donc anticiper les questions et les objections dans l'argumentaire. Donc, lister les freins d'achat. Lister les freins d'achat. Les freins d'achat. Je n'ai les freins. Il y a le cas D'accord. Je vais dire que tu fais l'année. L'achat. L'achat chez qui j'ai le client. Je vais te faire le client. D'accord. Je vais te faire le client. Il y a des objections. Objections et attirades. Mais je sais ce qu'il est dit. Ce n'est pas un problème. Et il a le droit. Il a le droit de faire. Et si toi tu ne l'as pas laissé faire, là, c'est un gros problème. Laisse le client, il va refuser. Laisse le client, il va faire des objections. Il va dire attirada. Laisse le client, il va dire tout ce qu'il veut. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le tranquille. Et si ce n'est pas ça le problème, c'est que lui, quand il va faire l'objection, elle a le haja, et toi tu ne vas pas répondre. Ça, c'est objection qui est qui font des clients rêvés. Alors, là, tu as discuté. Alors, là, tu as discuté de vous, je suis allé le client, tu as discuté de vous. Mais non, moi, je suis capable. Moi, je sais mes produits, moi, je sais mes services, moi, je sais mes compétences de discuter, de communiquer, de parler, de convaincre. Ah, français, allez. Une fois que j'ai le client, j'ai un terme, a dit, vous voulez 1, un, vous voulez 2, 3, 4, a dit, vous voulez 5, vous voulez 6, 8, 9, 10, a dit, vous voulez 30, un, vous voulez 55, 60. Ça veut dire quoi ? Après, il va venir ici, moi, je vais faire la tournée. A dit, c'est docteur. Moi, je vais laisser un homme rire le nez. Mais comment tu vas faire ? Parce que toi, monsieur, tu as déjà des informations, des caractéristiques techniques de le produit. Tu as des caractéristiques liées à la production de le produit, ou le service. Tu as toutes les informations concernant le service ou le produit. Tu as toutes les informations. Je vais aller. Quand le client va déjà, ok, un mois, mais il ne va rien faire.
il va rien faire par rapport à l'âge, par rapport à l'âge qui est derrière la marque. Donc, il y a des frères, je te dis, il faut que tu te dises, il faut que tu te بطريقة المعرفة نتاعك عند لي فران داش ديالو و الطريقة ديال الكونسيونس دو برودوي ديالك اجودي دي تيموانياج اي دي زيكزومبل كليون هادي سي كيلكو شوز اللي كتستعمل دائما داكا سي لي تيموانياج هادي تيموانياج هادو اي لي زيكزومبل كليون لي تيموانياج كنقصد بهم هما جو سون لي تيموانياج شهادة واحد ليكسبيريونس un client qui va raconter à des autres clients ou à des autres personnes, d'accord? Je sais pas, shahada, je pense à shahada. Témoin, c'est shahoud, les témoignages. Comme shahoud. Alors, le témoignage, il y a le travail avec les témoins. Donc, ajouter des témoignages et des exemples clients. Et des exemples clients. Bon, un client, il a acheté dans le cadre d'un client, il a acheté ici. Même, je peux faire voir un client, bon de commande. Alors, là, les factures. أو للفاكتور أو لا أي دوكيمون اللي ممكن أنني أقول أي إكسبيريونس ولا أي تيمونياج ديال الكليون اللي ممكن أنني أنا غندفع به كل يوم بوغ كيفا أشدي اللي قدامي دونك سي أن أوتر أوتي كي بويسون كي تخي بويسون بوغ كونفاكر أن كليون لوي راكومونتي ليستواغ دان كليون فيا أون أنيكدوت ولا لايك سكسيس ستوري D'accord, d'un prospect qui n'utilise pas et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Donc tu vas raconter des histoires, des exemples, des expériences des clients qu'ils ont acheté ou la consommé ou la utilisé quoi? Mon produit ou mon service. Un client il a voyagé, il est venu, il m'a raconté une histoire. Je peux même raconter moi, je peux inventer ça la chaise. Par exemple, comme monsieur. Parce que l'on dit qu'il y a une fiabilité, voilà la force. Je vais raconter ta histoire et je suis fier. Et le client ne va pas douter. Mais chaque fois, il y a une histoire qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ici, internet, monsieur, vous êtes un agent de voyage. Et l'agent de voyage, c'est quoi un agent de voyage? Une agence de voyage, c'est quoi un site internet? Peut-être que le site internet, bien sûr, vous pouvez faire le forum ou la blog, c'est ce type de site internet, d'accord, que le client, ils peuvent parler, ils peuvent discuter, ils peuvent raconter, d'accord, et le client avec le groupe du site internet, il va raconter l'expérience intérieure, soit il a voyagé, comme tu vois, soit le service intérieur, soit l'hôtel, comment il a été. Le voyageur, il va s'exprimer, il va parler, il va raconter. Et moi, comme je ne peux pas raconter là où je l'ai, mais à quelle chose je vais vous faire voir l'exemple sur Internet, les voies directes. Et que moi, je ne peux même pas changer. Mais je n'ai pas dit que je vais faire une chose, Non, je ne peux pas. C'est bon, qu'il y ait le commentaire. كل واحد وزارو اللي كيخدم مزيان لي سيرفيس نتاعو سون بيان راه يبقى افوا اون بيبليسيتي اون بيبليسيتي دو كي اون بيبليسيتي دو بوش ا اوغاي دو بوش ا اوغاي حتى كليون كي ا تيموانياج ان تيموان ديال كليون كي فيك اللي عاش في سيرفيس وكيعاود لي زوطخ كليون بيان لا بيبليسيتي سي لا بيبليسيتي بوش ا اوغاي عندك فوز افونتاج كونكورونسيال Les avantages concurrentiels, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui sont les plus. Ça veut dire quoi les plus? Il y a nous quand les aides diélienaires, les concurrentiels, les avantages concurrentiels, les avantages diélienaires, on va connaître de la concurrence. Les avantages diélienaires que personne d'autre est là. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui me valorise. Je suis agile quand tu valorises diélienaires. À la main. Là, les clients, pardon, là, bien sûr, la concurrence interne, que tu m'as les avantages concurrentiels. Alors, maintenant ici, cinquième étape, lister les réassurances. Lister les réassurances. Ça veut dire quoi, réassurance? Qu'il y a une assurance et réassurance.
Ok. Donc, une fois que le client est convaincu, il faut maintenant conclure la vente grâce à réassurances qui vont conforter le prospect dans son idée qui a fait le bon choix. Réassurance, réassurance de plus. Assuré de plus. Donc, une fois le client, il est convaincu. Et il veut acheter. Marhaba, t'as acheté ou rien. Mazien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, il faut acheter. Le client, il est convaincu. Non, il va acheter le service. Marhaba, mais il faut qu'il va acheter maintenant. Un tariq H. Un tariq contrat. Quand tu vas signer avec lui contrat de voyage. D'accord? Quand tu vas lui donner des factures, quand tu vas donner le carnet du voyage, quand tu vas donner les factures, quand tu vas faire la réservation, quand tu vas lui donner la confirmation, quand tu vas donner le reçu de paiement, quand en tant qu'agent de voyage, tu vas donner ça à le client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client, il est convaincu, il est assuré que le voyage va être bien. Mais il va être réassuré. Le voyage, il va se dérouler en bonne sécurité. En bonne sécurité, ça veut dire quoi? Avec le chauffe, le client, le client, ça veut dire quoi? Le client, ça y est, c'est bon. Il a réservé, il est sûr de lui. Il est sûr de lui. Et il a fait un problème, bien sûr. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, d'accord? La réassurance peut être sous forme de plusieurs sources. Achemin les sources, à ou le haja la marque. Par exemple, quand j'ai une agence, agence Marmara, agence de voyage Marmara. Déjà, le nom commercial ou la réputation, elle est connue dans le monde entier. Marhaba. Ok. Mettons que agence de voyage Marmara, je vais t'envoyer un hôtel qui s'appelle Rio, ou là qui s'appelle Accor, ou là qui s'appelle Club Med, ou là qui s'appelle Sofitel. Ça veut dire quoi? La marque d'agence de voyage qui est connue dans le monde entier, il va t'envoyer l'hôtel ou l'établissement d'hébergement qui est connu dans le monde entier. Donc ça veut dire quoi? Ici, tu as la réassurance. Mais maintenant, la marque, elle indique la pérennité. C'est la réputation de la marque. Donc c'est la confiance à la marque, c'est l'image de marque. Ça veut dire que le client il va être en assurance quand il va acheter ces marques-là. Le produit, via des caractéristiques de vente officielle, des prêts aux reconnaissances des magasins. D'accord? Alors, les produits, donc les produits, les services, ça dépend. Produit touristique ou le service, c'est se forme de plusieurs services touristiques. Alors, le produit, les statistiques de vente, d'accord? Ça veut dire quoi? Combien de fois moi je vends un produit ou un service? C'est le produit le plus demandé, c'est la destination la plus demandée, c'est la compagnie aérienne qui est la plus demandée. C'est l'hôtel le plus demandé. C'est le forfait le plus demandé. Ça veut dire quoi? Donc, son produit, quand on appelle un produit, ou là, quand on appelle un service, ou quand on appelle le plus demandé, ça veut dire quoi? C'est le plus vendu, c'est le plus recherché, c'est le plus commandé, c'est le plus consommé. Mais maintenant, le produit, il est bien, et le client, quand il va acheter, il ne va pas avoir peur. La législation. Bien sûr, il y a quand même la législation, même que l'agence ou l'entreprise elle rate la législation, mais c'est le pays qui fait la législation. Et le pays qui fait la législation, bien sûr, il faut qu'il va prendre en considération beaucoup, beaucoup, beaucoup.
المتغيرات مجموعه ديال المتغيرات اي بيان سور مجموعه ديال لي كريتير معايير اي لي كونديسيون باغ اكزومبل لي ديلي دو بايمون لي ديلي دو بايمون حنا شفناهم قبل داكور ومازال غادي نشوفو في الدرنيير بارتي اللي عندنا في هذا الموديول هذا باذن الله On va voir les différents types de délais de paiement. Une semaine avant, deux jours avant, trois jours avant, je n'aurai pas l'annulation, d'accord, ou la modification. Alors, les délais de paiement, la sécurité de paiement, les normes légales obligatoires, les licences, les agréments, les patentes, les labels. Donc, ce sont des informations qu'on a à ordre général. Les prescripteurs qui recommandent l'agence via une étude et certification. Les prescripteurs, mademoiselle, monsieur, hier, ça vient du verbe prescrire. Le médecin il va prescrire des médicaments. Il recommande et suggère les prescripteurs. Par exemple, vous connaissez très bien les youtubeurs, les youtubeuses sur internet. Ils vont essayer un produit, un service. Ok, produit, bon voilà, essayez, vas-y. Faire ça, donc ça veut dire quoi? Donc ce sont des prescripteurs l'homme qui a des recommandations d'accord en prenant en compte des prescripteurs qui disent notre demande d'accord lui il va vous donner l'expérience parce qu'il a essayé il a consommé il a vécu avec le produit ou avec l'expérience ou avec le service qu'il a consommé, d'accord? Donc lui, il va parler de son expérience et comme ça, il va nous donner toi des témoignages qui affectent les témoignages des expériences que nous avons déjà tout à l'heure. Donc ce sont des éléments comme les 89, la réassurance des clients, ok? Donc il va acheter, bien sûr. Sixième et la dernière étape, c'est hiérarchiser les arguments. Ça veut dire quoi? J'aime l'hiérarchie. Ça veut dire quoi l'hiérarchie? L'hiérarchie, il y a Taratubia. D'accord? Ça veut dire quoi? Taratubia, maintenant, un organigramme. L'organigramme, c'est quoi? L'organigramme, ou à mademoiselle, monsieur, Harakati, le directeur, l'assistant de Jarok, le chef de service, comptabilité, administration, chaque service, personne, donc c'est ma taratubia. Donc ici, c'est l'hierarchisant. Hiérarchiser, chaque taratubia ici, c'est tout simplement, et sont les arguments qu'on va commencer le rouler, le tani, le tani, le rabbi. Et ça, on a déjà parlé à Léon. On a des arguments qui ont l'importance A, les arguments qui ont l'importance B, C, D. Alors, c'est quand je vais utiliser A, c'est quand je vais utiliser B ou la C ou la D, c'est quand je vais utiliser les arguments binatna. D'accord? Donc, ça s'appelle hiérarchiser. Ça veut dire quoi? Je vais donner un argument A, le charge est plus fort. D'accord? Je vais donner B. Après, je vais donner A, après, je vais donner D, ou la C, après, je vais donner A. Ça veut dire quoi? Ça dépend sur le produit ou le service que je vends. Il a fait, c'est que les arguments. Ça passe ça. Où est-ce que... Alors, j'ai dit, une fois que tous les arguments listés, il faut maintenant distinguer les arguments majeurs des arguments mineurs. Les arguments majeurs, les arguments mineurs. Je crois que c'est bien. Majeur, il y a A et B. Mineur, C et D. Les y a très important, important, moins important et avoir après. Comme ça, j'ai expliqué avant. Alors, les arguments majeurs, alors, majeur, ça veut dire les très importants. A et B. Les arguments mineurs, C et D. Ça veut dire quoi mineur? Ça veut dire pas mineur, ça veut dire pas qu'on va pas dire. Non. On peut les dire, d'accord? Quand? Alors, au début, je vais dire
des arguments majeurs. Je vais donner un ou deux arguments. Mais la conversation va durer longtemps. Maintenant, qu'est-ce que les arguments mineurs? Pourquoi? Parce que le client, on a un client les connaisseurs, un client qui veut. Un client connaisseur. Un client connaisseur, quand vous voulez l'argument de l'eau, l'argument de tel, après, on va arriver à des questions. Dites-le un argument mineur. Dites-le deuxième argument mineur. Le client, il a un argument majeur. Très important. Radin, je dois utiliser l'indé. Répray, non. On a pas des arguments mineurs. Je vais donner un argument majeur. C'est comme ça que je vais te dire. Donc, tu vas lister et tu vas les archiver. Archiver cette classe, argument important, majeur, mineur et ainsi de suite. Pour que tu prennes le client. S'il s'agit d'un entretien face à face ou par téléphone, le vendeur peut exploiter une trame de conversation. D'accord? Si l'argumentation, l'entretien de vente, il est face à face avec le client, on va faire une trame de conversation. Au chien, il y a une trame. Une trame, tu disais tout à l'heure, on le disait plusieurs fois, la trame, il y a l'argumentaire de vente, il y a un scénario préétabli, lequel nous devons dire la conversation, le client, bien sûr, a dit il a l'entretien face à face. S'il s'agit d'actions promotionnelles comme pour nous, un salon, il est possible de préparer également un pitch. Un pitch. C'est quoi un pitch? Pitch égale quelques phrases qui résument au moins de 30 secondes votre entreprise, son positionnement et son produit. Un pitch, donc les phrases publicitaires, les consommateurs qui font ça. الكسمو التلفازة مثلا اون فونتوندر لونتربريز اكس افيك 25 اني ديكسبيريونس اي 200000 واحد 200000 شخص خدام معانا ومع 300 برودوي ديالنا مع كنبيعو 180 دولار الوغ لونتربريز اكس اي كغيك اش كدير واش كدير هذا ان اكزومبل دو بيتش كتهضر في 30 سكون على لونتربريز نتاعك شكون هي لونتربريز نتاعك شنو هي البرودوي تاع لونتربريز نتاعك وهذا الشيء اللي كتشوفوه بارفوا ماشي كلشي الاشهارات نو كاين سيغتان بيبليسيتي كيديروا دي بيتش دون ليكيل يبارل على لونتربريز على البوزيسيون لونتربريز زائد اش زائد لي برودوي نتاعهم اللي كيشهروا اصلا كاع دونك تسمى عندنا هنايا اكسيون بروموسيونيل اي كي يوتيليز لي بيتش وهاد لي بيتش هادو سو فورم دو كوا علاش كيعتمدوا لينا كيعتمدوا لينا على لي زارغيمون على لي زارغيمون تاعنا على لي زارغيمون اللي عندنا حنايا بيان سور فهاد لي زارغيمون Alors, il y a un client qui a été en train de faire un entretien de 8 heures et de 8 heures. Alors, on ne sait jamais, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça veut dire quoi? Alors, je vais mettre en place les arguments. Mais par contre, l'action promotionnelle, vous devez aller, il y a le pitch. D'accord? Un pitch, ça veut dire quoi? Mais que chacun a les arguments mineurs, des CET. Que chacun a les arguments B. Donc vous voulez les arguments les hommes très importants. Les hommes bien sûr, arguments les hommes à travailler. Alors, au total, quelle que soit la situation de vente, au total, il y a six étapes. Au total, le vendeur doit adapter et faire vivre son argumentaire. Avec les six étapes de préparation, il convient de tester avec un client et de modifier et d'adapter selon la réaction du client. Le Hajj, mademoiselle, monsieur, je ne peux pas vous expliquer. D'accord?
Pourquoi? Parce que on a plus l'infini des services et plus l'infini des produits. Pour chaque produit, on va l'expliquer, on va la méthode de la chaque service, on va la méthode de la mais qu'est-ce qu'on a dans la chose الحاجه شنو هي على حسب لي برودوي اللي كتبيع ولا السيرفيس اللي كتبيع كتحاول تصيب لهم حتى اون ليست داك لا ليست كتحاول انها دير التابع لي زيليك مون لي هما تري امبورطون وكل اكو كيجي هذاك اليوم كتجرب معاه وما شي مطلوب منك يا مادموزيل مسيو انك غايجي لك اليوم اللي هذاك الاول غد غدي لي هذاك لا مادون غتبيع ليه نو سي با سا لو بروبليم نو 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 لو بروبليم سي كو تو با لو فير اصلا et si tu l'as fait ça va être bien parce que une fois que j'ai le client lourd, je retiens ma main, ben je vais améliorer, je retiens la main, ben je sais pas ce que je vais faire, on dirait que tu peux améliorer, tu as besoin, ou que tu dis des choses, ou que tu poses des choses, ou que tu as des choses, quelle est la réaction du client, quelle est la question du client, quelles sont même les objections du client, à qui attendent lui non, tu as les éléments, une fois que tu me reviens, tu me demandes d'après tu veux qu'un expert des expériences, et chaque expérience فاك مع الكليون كي غادي بمان الكليون اكسبيريونس ديال اجوردي سوا تا ريوسي اولا تا بي ريوسي باسكو مات جسم جي سوا تا ريوسي يعني نجحتي اولا تا با ريوسي ما نجحتيش ما نجحتيش ما قلتلكش خسرتي باسكو انت ريوسير ريوسيت هي لي شك واحد نجح واحد سقط ما كنقوليش لا لا واحد نجح واحد سقط عشان تجربة ناجحة تجربة خاسرة نو no. أنا ما قلتكمش غير إكسبيريونس إشاك نو إسكي إكسبيريونس ريوسيت إكسبيريونس نو ريوسيت نو ريوسيت بوكوا باسكو تا إسايي كيلكو شوز ما نجحش ليك وما خسرتيش فيه ما خسرتيش من جيبك نو no. تعلمتي واحد الحاجة باسكو دو شاك إكسبيريونس نو ريوسيت on va apprendre, qu'est-ce que tu vas apprendre? Apprendre demain quand il va venir un client, ou là dans quelques minutes quand il va venir un client chez moi, mais radis n'a pas la même expérience d'avant. Non, je vais modifier l'expérience, je vais essayer d'adapter mes expériences et mes propos et mes façons de parler selon le client. Un talent, mais c'est géré les yeux. السابقة والذكي الذي يستفيد من خطئه والأذكى منه والذي يستفيد من أخطاء غيره ألوغ أنت سواء انتيليجون افيك توا ميم حاجة أنت اللي تعلمتيها أنت يا أخطأت فيها وتعلمتي فيها ما شاء الله بوغ إيفيتي داكا ألوغ سي سا هي الحاجة اللي مطلوبة منك مادموزيل مسيو بيان سيو Mademoiselle, monsieur, c'est bon pour aujourd'hui. L'objectif de la séance qu'on a réalisé. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Non. Je vais vous donner le fond de rôle. Je vais vous donner le fond de rôle. Je vais vous تاخذ منه واخا واخا اكون حمزه اتون اون فا جو تو فا لي كيسيون اللي كاين فهاد لا بارتي اللي عندنا هنايا فهاد الموديول هذا داكا يا بري اون فا ريفينير الموديول ابري اون جوك يعني ماشي مشكل وي كاين شي سؤال فهاد لا بارتي كون فيان دو فوار ماتنون سيدا كاين شي سؤال Vas-y. Pas de questions? Pas de questions, pas. Monsieur. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Bien sûr, comme d'habitude, la vidéo est très bien, Inch'Allah. Yuma, Alhamdulillah, l'enregistrement, c'est bien. YouTube, Arrêtez l'enregistrement.